Et salut tout le monde, c'est ZonePeace et on se retrouve pour un nouvel épisode. Oui. Oh non! Fail! Oh le double fail! Je dis épisode au lieu d'épisode et je rentre dans un niveau qu'il ne faut pas, c'est magnifique. Donc on va vite sortir d'ici. Donc comme je disais, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spyro, Year of the Dragon. Silence! Et aujourd'hui, on va faire le niveau de Sparks et sûrement un autre niveau du monde 3. Donc sors-moi vite d'ici. Merci, merci. Alors, je m'étais mis juste devant la fée, faut que je me mette à courir dans tous les sens quand je commence l'épisode. Oui, 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 je suis logique. Allez, c'est parti. Salut Spyro, salut Sparks. J'ai trouvé un autre oiseau perdu. Si Sparks se sent à la hauteur, il peut essayer de sauver la ville araignée. Ça a l'air intéressant. Je me souviens absolument pas des autres missions de Sparks, à part la 1. Peut-être quand j'y serai, je m'en souviendrai. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens absolument pas. En fait, je crois que je les ai fait qu'une ou deux fois, hein, ces niveaux. Autant le premier, je l'ai fait plusieurs fois. Putain, c'est quoi ça? Je me souviens parce que je l'ai fait plusieurs fois, mais... Comme je disais, hein. Mais les autres, je sais absolument pas si c'est quoi. J'ai la clé jaune, ok, mais ça me sert à quoi? Ça gueule chez moi en plus. C'est super. Alors, ça va peut-être voir ici. Ah, voilà. Il y a des petites araignées. Je sauve la ville des araignées en tuant les araignées. Ça semble logique. Je pensais que c'était les habitants gentils et tout, qu'il fallait sauver les araignées. Mais non. On les tue. Oh putain! Sans aucun scrupule, on massacre tous les habitants de la ville. Oh putain! On va prendre cher fumier! Oh putain, j'ai pris le truc d'invincibilité sans faire exprès. Je vais le prendre après. C'est pas grave. On continue, on continue. Dun, dun, dun. Boum! Prenez ça, bande de putes! Waza! Oh non! Ils sont en bouclier. Je peux pas le niquer. Faut que je récupère tout et que j'aille ailleurs. Ouhouhou, bonjour. Bonjour. Tu m'as touché. Je m'allo. Voilà. On est par ici. J'ai tué avec le petit tir. Et voilà, il y a un spawn. En fait, elles sont trop nulles parce qu'elles peuvent pas nous toucher si on se place bien. Mais nous, on peut les toucher. Hop, hop. Est-ce qu'il y a le bouton déjà? T'appuies, après Sparks. Ah, c'est ce bouton-là. Donc comme ça, si... je pourrais me mettre comme ça. Je me comprends, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on va continuer. Je sais pas par où c'est, je sais pas par où c'est. Chemin où t'es, chemin où t'es. Non, c'est pas par là. C'est par là. C'est parti. Ah! Putain, ils ont fait une touche. Ok. Elles font très mal. Ça fait très mal. J'avais les autres qui me poursuivaient, du coup. J'étais un peu dans la merde. Faut que je prenne, il y a un papillon dans la salle principale. Donc là, hop, désactivation du bouclier. Trop easy. Prends le papillon. Putain, j'ai raté. Barrez-vous. Oh, papillon. Et vous? Il me caresse à me toucher. Crève! Voilà, j'en ai marre. J'ai fait mission suicide. Oh. Je
Voilà. J'ai obtenu quoi? Les fusées! Ok, encore un bouclier. C'est chaud, c'est chaud! Ok, on passe. Je l'ai brain. Je vous ai brain. Ok, c'est pas par là. Ah putain, je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher l'aile! Okay, je m'attendais pas à ça. Dès que je rentre, il y a les autres qui me poursuivent encore. Ok, je suis mort. Je vous ai dit, les niveaux de Sparks, c'est vraiment pas ce que je gère le plus. Et j'ai pris le papillon en passant. GG. GG. Hein? C'est le GG? Oh putain, il y en a d'autres derrière. Voilà, je me les prends tous. Fuck it! Non mais. Comment c'est possible? Le taux de spawn est trop grand. Non mais. Le papy là il se fout tout le temps au milieu aussi là. Voilà. Ça y a pas elle qui me cherchait déjà. Allez. Non mais. LOL. Regardez ce que j'ai pris. Ils font super mal. Je ne vais pas y arriver. Les amis, on va rager tout l'épisode là-dessus. J'y arrive. On a 5 points de vie, hein, pour ceux qui comprennent pas là combien de points de vie il me reste. Donc oui, je suis dans la merde. Non, il n'y a aucun moyen de m'en sortir. Le bot s'est foutu dans mon poids mort là. Je peux pas la toucher. Ah si. Prends le papillon. Ouais. L'heure de la vengeance a sonné. Bouclier désactivé. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Oh non. Il va nous tuer. Oh pardon, je vous avais pas vu madame. Pourquoi je dis pardon à la araignée qui me tape? Je sais pas. Oh non mais c'est pas fini quoi. Je croyais que c'était le boss, que je commençais à redouter le moment et tout, mais même pas. Oh non mais. Je vais mourir. Encore. En mode PGM. What's up? Boum. Bon, faut pas que je gise parce qu'à mon avis, le boss est pas loin. Non mais là, mais. Non mais non mais non. Comment je suis censé passer? Ah non, je prends pas le papillon. J'ai cru qu'il allait le prendre. Prends pas le papillon parce qu'il va nous servir. Ça se trouve. Non mais voilà. 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 Ils viennent sur le côté, comme ça ils font les malins. Je vais prendre le papillon, comme ça je serai full vie pour la zone du bas. Parce que j'ai pas envie de faire l'arrière-tour non plus. Et puis la zone du bas. Alors. Ah bah y'en a un là en même temps pour la zone du bas, ça sera utile. Ouh, j'ai cru que je m'étais pris le bouclier, j'ai fait quoi? J'ai la clé pourtant. Enfin, le portail, le bouclier. Ça m'embrouille. Je m'embrouille. Ah, c'est bon, je l'ai tué. J'ai même pas vu. Bon, je garde ça pour le boss, parce que c'est ultra cheaté. Enfin, puissant en tout cas. Ah, d'accord. Faut désactiver le bouclier. Ha. Prenez ça, bande de fumier. Il y a un papillon régénérant. Il me le faut. Donnez-moi le papy lol. Je vais me mettre full vie, hein, parce que là c'est le boss. Là j'en suis sûr. Hop. Get ready ou get lucky, je sais pas. C'est parti. Ouvre-toi petit portail. Refermé derrière bien sûr. Ah, c'est les araignées qu'on a tuées dans une des courses. Oh putain. Elle envoie des araignées. Pff.
Faut limite que tu gardes pour les petits ça. Ah. On va mettre tir comme ça. Carrément dur ce boss là. J'ai plus que deux. Ça risque de poser problème. Ça va faire une autre phase. Je dirais pas. C'est pas comme le premier boss où il avait trois phases. La phase. Oh putain, je me suis pris l'araignée de pleine gueule là. Je m'attendais pas à ça. Elle envoie de moins en moins d'araignées en fait. Plus ça va, moins elle est puissante. Putain, je me suis pris l'araignée dans la gueule, bien sûr! Moi les araignées sont plus rapides. Je deviens fou. Allez. Il me reste un point de vie mais elle, il me reste pas beaucoup non plus. C'est bon, je l'ai eu. Touti. Je sais pas si c'est ce tout derrière mais... Je sais absolument pas à quel temps d'épisode on en est. Ah, je crois qu'on en est à presque 20 minutes. Hein. En tout cas bien un quart d'heure donc on va... Est-ce que ça vaut le coup de commencer un niveau pour ça? J'ai déjà finir, voilà. 4000, 200 sur 200. Niveau terminé, on se barre. Donc voilà, qu'est-ce que Spark a d'amélioré cette fois? Arrête de sauter, image de merde. Voilà, ça me fait rager, ça y est. Pas trop de Spyro. Excellent travail, Spark. Je vois aussi que tu as acquis une autre compétence. En maintenant les touches L1, L2, R1 et R2 enfoncées simultanément, Sparks indiquera où se trouvent les trésors dans les parages. Quoi? Alors, ça doit être un truc super cheat. Mais je m'en suis jamais servi pour finir le jeu. En gros, ça permet de détecter les joyaux qui sont dans les parages. Ouais, ça marche pas. Pas. En même temps j'ai mes touches qui sont un peu buggées. Non normalement c'est tout là. Bon, ça fait rien. Ah mais il n'y a pas de joyaux ici. On va essayer de... Ouais allez on va commencer le nouveau monde parce que 20 minutes ça vous fait un peu court. Je suis pas pute. Mais on finira pas aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite. On finira dans le prochain épisode. Parce que j'ai vraiment pas le temps là. Faut vraiment que j'aille faire ce truc avec Minecraft là. Alors, le retour à la crépusculaire. Donc c'est ce niveau là que je parlais dans le dernier épisode. Donc c'est l'espèce de temple inondé, c'est l'hôtel de la glace. Ah, ça me dit quelque chose, la glace. Allez. Bienvenue à l'hôtel de la glace. Gabriel. Au nom des fées de la glace, je veux t'attribuer un pouvoir spécial qui durera le temps de ton séjour dans notre monde. Fais un bisou. Ah, je tiens de la glace. Ok. Et alors, voyons voir. J'appuie sur tous les boutons comme elle m'a dit, elle est rien et tout. Je comprends pas. J'appuie sur L1, R1, R2... Tout là. Sparks fait rien. Non. Bon, je comprends pas. J'avais pas dû comprendre non plus à l'époque. Donc je tire des... Ok, je tire de la glace. Oh! Trop stylé, je peux geler les gens. Ah, ça c'est toujours invincible à la glace. Oui, c'est gentil ça. Il a vendu un système de défense laser pour nous protéger des rhinos. Mais avec ses nageoires, je ne peux même pas le mettre en marche. Toi, tu n'auras pas de problème à t'en servir. Entre à l'intérieur et quand tu auras fini, appuie sur la touche triangle pour ressortir. What? Les mecs ils se sont fait complètement avoir. Un ours? Ça me dit quelque chose. What?
Alors, attendez, parce que le contrôle est complètement chaud. Ok, quand on l'a pris en main, après, c'est plus facile. Je vois vraiment pas l'intérêt. Tu peux les combattre toi-même. Et ça. Ok, c'est juste un truc plus cheaté pour tuer les rhinos. Ça, là. Je dois pouvoir y faire quelque chose. Ok, juste y foncer. Ça doit être un point d'aptitude. Par contre, j'ai vu un truc intéressant quand on contrôlait, c'est... Est-ce qu'on peut pas... Putain, c'est chaud. C'est impossible. Non, à mon avis, il faut sauter de toi en toi. Ah, d'accord. Il y a des blocs de glace. Du coup, il va falloir le libérer avec ça. Ah, regardez, là, il y a un joyau à côté du laser. Attendez, j'essaie de le pointer, je peux. Non. Si, là. Regardez, où pointe mon laser. Il y a un joyau. À mon avis, il faut passer sur ce toit. Je peux pas le montrer. Passer sur le toit là où je pointe. On verra plus tard. Sûrement pas dans cet épisode. Ah ouais, voir ici. Bonjour. Hop. On s'en fumier. Oh, je t'ai gelé, mec. Oh, il est coincé sur ses défenses. En mode gros noob. La glace. Alors, on va le voir. Est-ce que d'ici... Ah, ça semble possible. Attendez. Non, c'est trop court. À mon avis, ça vient d'ailleurs. Ça doit être vers la fin du niveau qu'on peut y accéder. Maintenant, je me souviens de ce niveau et franchement, c'est un des niveaux les plus stylés. À cause de la glace, sûrement, et puis même l'ambiance, la musique. Les monstres aussi sont stylés. Mais bon, qu'est-ce que tu fais là, Zoé? Pars-toi. C'est Gabriel que je veux voir. Oh putain! A chaque fois, je me prends cette putain de braise. C'est leur munition, ça en plus. Un poulet! J'ai mangé le poulet. Eustache et moi avions un concours de bonhommes de neige quand la sorcière les a rendus vivants et leur a acheté un sort. Depuis, ils tournent dans les parages, construisent des murs en glace et sèment la pagaille. Méchant bonhomme de neige. Il y a encore des joyaux là. Fond, petit bonhomme de neige. Trêve, bordel. Voilà. Rien à faire fondre là. Juste le bonhomme. Par contre, là, il y a un œuf. Est-ce que ça passe? Non, d'ici, ça passe pas. Ouais, ça doit être encore plus tard. Je me suis fait baisser, du coup. Je peux plus aller là. Hop. Oh, putain, j'ai failli tomber. Pourquoi j'ai eu l'accent marseillais? Je sais pas. D'ailleurs, comment on va là-haut? Putain, mais il y a plein d'endroits, on peut pas encore aller. Alors, je sais pas. Oh non, je sais rien. Eh oh! Ah mince, j'ai cru que c'était un méchant. J'y vais. On pourrait facilement accéder à ce trésor si seulement on pouvait monter sur quelque chose. Oh yeah! Ok, bon, on fera ça dans le prochain épisode, mais en gros, faut monter sur eux pour choper tous les trucs. Tiens, je pense. Hop là. Haha! Boum! Faut tuer le bonhomme de neige. Ça
C'est chaud à contrôler hein, ce truc. Surtout quand ils bougent comme ça là. Ils font Yahoo. Oh, promotion pour Yahoo. Moi je préfère Google. Hein. Crève, saleté. Crève. Je t'ordonne de crever. Bordel. Je ne te vois plus. Tu cheats, tu te caches derrière les murs. Mais vas-tu crever. Voilà. Là, tu veux la canoille. Ah, oh, il y a un monde supplémentaire avec... Ouais, on pouvait s'y attendre en même temps avec le Yeti. Oui, puis de toute façon, dans chaque premier niveau, il y a un petit passage supplémentaire avec le personnage à libérer dans le monde. Oh, 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 tu fais moi chaud là. Boum. Ah mince, ça fait rien ça. Bon, voilà. T'as dégivré et t'as vu ta mort. Ah, c'est ça qui me permet d'aller dans toutes les zones où on n'a pas pu aller. Shit, je suis tombé. What? Je suis allé où là? D'accord, là c'est une zone annexe. Je crois. Ça, ça mène où? Oh, pff. Je vais les tuer à la main, c'est rapide. Ok. Ici, on a tout eu. Oh, oh, oh. Je parlais un peu trop vite. Ok, une zone à débloquer avec gros sous. Ah, ça, ça doit être la fin. Ça doit être la fin. On va voir. Dis-moi, Spirou, t'es un fan de sport? Comme tu le sais déjà, l'hôtel de la glace est le berceau de ce grand sport qu'est le hockey chaton. Le match d'aujourd'hui est à guichet fermé, mais j'ai quand même réussi à avoir des billets que je te vends pour, disons... une minuscule somme. 800. Non, je préfère. Okay. Non, on y fera dans le prochain épisode tout ça. Allez. En fait, on a fait le principal de ce niveau. Je savais qu'on aurait dû apporter le système de défense laser automatique. Jana. Donc là, on a fait en gros le plus gros du niveau. Après, il restera tout le secondaire entre guillemets. Hop, donc ça c'est un raccourci. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode parce que j'ai pas bien le temps de faire plus long. On se dit à jeudi prochain pour finir ce niveau. Et si on a le temps, commencer un autre peut-être. Je sais pas si on aura le temps, sincèrement. Il y a beaucoup d'annexes quand même. Hein. Il y a gros sous, il y a l'autre. Il y a encore des zones que j'ai pas explorées. Des zones sur les toits, je parle. Bref, il reste encore pas mal de choses à faire. Peut-être qu'on aura le temps, tout dépend, parce que ça c'est bien le truc qui me ferait rager comme vous savez, le patinage artistique de la dernière fois. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de vous regarder, et je vous dis à jeudi. Bye bye.